Damn, bro, c'est Benny. J'espère que vous allez bien, mais tac! Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec comme gameplay du Black Ops 3. Alors, c'est pas une vidéo où je vais donner mon avis sur le jeu, mais pour donner un avis global sur le jeu. Ce jeu est excellent, mais les connexions sont à chier. Mais franchement, le jeu est bon. Les armes sont bien équilibrées. Il n'y a aucune map que je refuse de jouer. Franchement, le jeu est nickel. Faut juste revoir les serveurs. Encore une fois, j'ai envie de dire, chaque année, on se plaint de ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les gens, j'étais avec la mitraillette, la Pharo. Alors ça, c'est vraiment ma mitraillette. C'est ma mitraillette, les gens. Cherchez pas. Voilà, les programmeurs, ils se sont fait la mitraillette en disant, tiens, celle-là, elle sera pour Benny. Parce que, il va la kiffer, sa mère, la race. Et je l'ai tellement kiffé que je l'ai déjà monté en or et tout ce qui va avec, elle est déjà max prestige. Bref, c'est mon arme. Et j'étais sur la map. Fringe, donc c'est une petite map avec des granges et tout, mais voilà, j'ai cherché des vaches et de ça, il y en a pas. Mais voilà, c'est une petite map sympathique. Franchement, elle est sympathique, comme la plupart des maps, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont le jeu. Donc les gens, comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo où je vais donner mon avis, j'en ferai peut-être une par après quand j'aurai vu toutes les facettes du jeu. Mais là, c'est un tuto comme tu les aimes tant. Et le tuto, il va parler de quoi? De la santé. Parce que les gens qui me suivent sur Twitter, voilà, ils savent qu'en ce moment, j'ai pas trop la santé. D'ailleurs, à ce moment, je fais ce commentaire. Quelques heures plus tard, je vais devoir me rendre à l'hôpital pour tout vous dire, faire des tests, voir si tout se passe bien. Donc moi, je vais vous faire un tuto sur la santé, étant donné que j'ai eu une bonne santé, une mauvaise santé, j'ai vu toutes les facettes de ma santé. Bref, mon corps, il en a vu de tous les côtés. J'ai l'impression, si mon corps, voilà, s'il pouvait parler, il me dirait « Putain, Benny, on te hait! Tu fais de la merde avec nous !» Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je peux vraiment vous donner des conseils là-dessus, mon pote, ok? Donc mon pote, la santé, déjà, je pense que tu sais, c'est super important. Crois-moi, parce que t'as beau te niquer la santé à aller au travail, le jour où t'as plus la santé, tu vas casse-pied ta thune pour récupérer ta santé. Tu vois le délire ou pas? Donc j'ai envie de dire, la règle numéro 1, mon gars, la santé, dis-toi que c'est comme le moteur d'une voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, une voiture, ça fonctionne à l'essence, on est d'accord. Donc si tu vas pisser dans le réservoir, tu lui donnes pas le bon carburant, tu vois, donc ça peut pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps, c'est la même chose. Tu vois, si comme moi. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait que boire du coca. Je buvais jamais d'eau, les gens. Je mangeais que tes crasses. J'étais limite le McDonald's. Les gens, c'était ma deuxième maison. Il manquait plus que j'apporte ma PlayStation avec BO3 et c'était bon. De toute façon, la connexion, ça aurait pas changé grand-chose, j'ai envie de dire. Vu qu'en ce moment, les serveurs, c'est de la merde sur Black Ops 3. Même avec la connexion du McDonald's, ça aurait suffi pour jouer. Donc au final, j'aurais pu faire mon petit chez moi dans le McDonald's au calme. De toute façon, j'avais déjà mon abonnement comme c'était parti là. Donc, je pense que, voilà, McDonald's, que du coca, tout ça, c'est pas bon pour le corps. Et là, il me l'a fait regretter. Tu vois, j'ai eu des mal en bas du ventre et tout ça. Maintenant, j'ai des rejets d'acide qui remontent dans l'œsophage. Tu vois le bordel. Et puis, j'ai encore d'autres problèmes qu'on sait pas encore d'où ça vient. On verra. Donc, voilà, règle numéro 1, les gens, fais attention à ce que tu bouffes. Ok? Donc, je vais pas te dire comme les pubs, ouais, mange 5 fruits et légumes par jour. Non, quand même pas à ce point-là. Mais mange 3 repas par jour, des petits repas le matin, un peu plus copieux le midi et un gros repas le soir pour habituer ton voilà, pour que ton estomac, il s'étire petit à petit dans la journée. Parce que voilà, ton estomac, c'est un muscle. Si tu lui donnes un peu à manger, il s'élargit, mais il faut pas l'élargir d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit déjeuner, le midi et le soir. Ok, ouais, des trucs équilibrés. Attention, quand je te dis matin, midi, soir, c'est pas un cheeseburger le matin. Double cheeseburger le midi et le Big Mac le soir. Hein. Non, des trucs équilibrés, tu vois. Donc, ça veut dire, par exemple, tes céréales le matin, midi, voilà, une tartine ou même une petite viande avec tes petites frites. Et puis, voilà, le soir, une grosse viande avec de la purée ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, des trucs équilibrés. Puis, voilà, si tu sais manger un petit fruit à gauche, à droite, c'est pas plus mal. Ok, la règle numéro 2, les gens, j'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo pour les enfants, mais c'est ça ce qui vaut pour nous aussi, les adolescents ou les adultes. Du sport, mon pote. Et attends, quand je te dis du sport, c'est pas forcément essayer de faire ton zizou comme ça ou sur le terrain de foot ou faire, voilà, ton LeBron James au basket. Non, mon pote, ça peut tout simplement faire du fitness, t'inscrire à la salle. Et au fitness, c'est pas forcément faire porter des haltères, faire la fonte, ressembler à John Cena ou je sais pas qui. Hein. Tu peux tout simplement faire de la cardio. Et ça, la cardio, crois-moi, c'est super bon pour ton corps. Ça va permettre déjà d'avoir ton cœur en bonne santé, parce que ça, on vous le dira. Le premier truc pour que ton cœur soit en bonne santé, c'est pas forcément les fruits, les légumes. Non, c'est quoi? C'est le sport. Et la cardio, ça va permettre tout simplement d'avoir un cœur qui fonctionne bien. Tu vois, ça c'est aussi bon pour les poumons, pour les faisceaux sanguins, c'est bon pour tout. Donc c'est important de faire du sport, de dépenser, tu vois. Ton corps, il a besoin de ça.
Ok, moi-même qui maintenant arrêté le sport, je le dis sans arrêt, en ce moment je le regrette. Et quand j'aurai la santé, je vais me réinscrire au sport vite fait. Parce que là, en ce moment, ça va pas. Je me fatigue vite, hein. Je le sens bien que mon cœur, des fois, j'ai un peu mal ici. Tu vois, j'ai tout le temps des pointes de côté assez rapidement quand je cours un peu ou quoi. Donc c'est vraiment important, les gens, le sport. Donc et voilà, et sortez un peu, ou même quand je vous dis le sport, c'est tout simplement aller voir des potes, genre un jour de semaine et aller faire un foot. Tu vois, ça suffit. Donc voilà, pensez aussi à ça, faire du sport. Et puis la règle numéro 3, les gens, c'est tout simplement vous coucher tôt. Pas quand je vous dis vous coucher tôt, c'est plutôt bien vous reposer. Tu vois, pas dormir à 5 h du matin pour te lever à 7 h et puis aller en cours et tout ça. Non, non. Déjà, tu auras dormi 2 h, ton cerveau ne sera pas reposé. Puis ensuite, tu vas enchaîner avec les cours. Et ton cerveau, mon pote, il y a un moment, il va se barrer, tu vois. Ah ouais, ton cerveau, il a besoin de repos. Et aussi, c'est bon pour, tu vois, pour la peau et tout ça, de se reposer beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai pas mal de traits de fatigue. En ce moment, je pense que ça se voit du fait que je suis malade, que je dors mal et tout ça. Et j'espère vite trouver ce qui ne va pas. Mais voilà, c'est important de reposer. Ok? Cliquer toute la soirée jusqu'à 5 h du matin, c'est un truc à ne pas faire. Même si moi, je le fais, et franchement, je vais vite perdre cette habitude. C'est un truc à ne pas faire. Les gens, bon allez, peut-être en vacances, tranquille, mais quand t'as les cours et de ça derrière et que t'es obligé de te réveiller tôt, tu vas dormir, essaye d'aller dormir avant 1 h du matin, c'est ce que je te conseille, c'est super important, le repos, mon pote, et ton corps, bon allez, il faut que tu sois pote avec ton corps, et si tu fais tout ça, tu vas être pote avec ton corps, et il va te le faire ressentir, parce que tout ce que tu lui donnes, tu vas le ressentir, ça va se voir de l'extérieur aussi, ta peau sera, voilà, ta peau et tout ça sera plus belle, tu seras, t'auras plus... Souvent le sourire aux lèvres, tu tireras moins la gueule, tu n'auras pas tes grosses cernes. Donc c'est important tout ça, les gens. Franchement, prenez soin de votre santé. C'est la plus belle richesse, la santé, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tout ce que je vous dis, ça ne vous garantit pas que ça ira tout le temps top, top, top. Mais au moins, tu augmenteras tes chances d'aller bien sur une plus longue période, tu vois. Le but, voilà, on ne sait pas. Voilà, il suffit que tu prennes un virus dehors et hop, t'es malade. Mais au moins avec le sport. Voilà, tu peux limite juste tomber malade avec tes virus. Voilà, moi qui par exemple me suis nourri mal, ben voilà, j'ai chopé des saloperies parce que je me suis mal nourri. Ça vient pas de l'extérieur ou quoi, ça vient de moi, mon corps, il en a eu marre, il a envie de, voilà, il a envie de me mettre une petite quenelle épicée pour me faire comprendre qu'il faut que je mange des choses saines. Ok? Donc voilà les gens, ce petit tuto est terminé, je récapitule vite fait. Donc bien vous nourrir, faire du sport, bien vous reposer. Je pense que c'est à peu près tout comme ça. Parce que moi, voilà, je fais pas un commentaire où j'écris tout puis je relis, non. Donc moi, généralement, c'est de tête parce que je vous parle de choses que je connais. Donc voilà, de tête, je pense qu'il n'y a que ça pour prendre soin de votre corps. Donc bien vous nourrir, le sport, bien vous reposer, ça, c'est important. Et évitez de mettre des saloperies sur vos gueules, des produits chimiques et tout ça. Évitez tout ce qui est trop chimique pour votre peau. Voilà, j'ai envie de dire, même quand tu vas sous la douche, mon pote. Ah ouais, ça aussi, c'est important. Non, ça, plutôt prendre soin de toi, quoi, prendre soin de ton corps. Mais voilà, la douche, ça lui fait pas de mal, hein, un peu, enlever les crasses et tout ça, tu vois. Essaye au moins une fois par jour, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, les gens, prenez soin de vous, de votre famille et surtout de votre santé, comme je vous l'ai dit, c'est le plus important, les gens. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, laissez le like, le commentaire, le partage, je compte toujours sur vous. Les gens, n'arrête pas de grandir, c'est un truc de... C'est fou, c'est fou. Des fois, franchement, le premier truc que je fais quand je me réveille, c'est aller voir mes notifications et tout ça pour lire vos commentaires qui me met le sourire aux lèvres pour commencer ma journée, les gens. Donc voilà, c'est vrai. Ah ouais, aussi les gens, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, notamment ce week-end, avec le drame qui s'est passé à Paris. D'ailleurs, j'aimerais rendre un hommage aux victimes. Franchement, j'ai été choqué de voir ça. Triste, j'ai vu les vidéos. Mais voilà, moi, je vais pas faire une vidéo là-dessus, les gens, tout simplement parce que je suis youtubeur gamer, c'est pas mon taf. Mais voilà, à part donner mes respects aux victimes, malheureusement, je peux rien faire d'autre et je trouve ça trop peu. Enfin bref, les gens, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. Voilà, petit tuto sympathique comme vous les aimez tant. Donc les gens, le like, le commentaire, le partage, si vous avez kiffé, prenez soin de vous. C'était Benny, je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye.